Oui, papa va donner. Viens, papa va donner, miam, miam. Veux? Ça tu veux? Miam miam. Allez, viens. Bonjour à toutes et toutes, comment allez-vous en ce lundi, première jour de cette semaine, on est le 4. Les poubelles sont déjà pleines, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi je viens, ça fait 5-10 minutes que je viens d'arriver là. J'ai même pas encore sorti mes affaires. Gamelle, ça. Mon maillot. Le matin, il fait frais quand même. L'après-midi, il fait chaud, mais le matin, il fait très très froid à 6 heures. Enfin, il fait pas 0 degré non plus, hein, mais il fait frais. D'un coup, il sait pas ce qu'il veut. Il demande à manger et là, il mange pas. Des fois, il est souvent. Il est souvent. Cécile a été faire les courses avec Laura. Et je pense qu'ils ont dû aller à Action aussi, parce qu'il y a les sacs d'Action. Et puis il y a des petits trucs là. Je pense que c'est Laura qui a dû lui offrir. Et moi j'ai pu. J'ai pu plus. Donc, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est Aldi ou Lidl ou Monoprix ou Cassoprix ou Framboprix, j'en sais rien. Je sais pas quel magasin qu'ils ont été. En tout cas, déjà, je vais déjà vous montrer. Dans ça, je pense que c'est Action, je crois, ça, ces trucs-là. Je crois, hein. Alors, je voulais vous parler de ce petit truc là, des toasts briochés. Eh les amis, c'est une tuerie. Je sais pas si vous voyez. C'est une tuerie ça. Franchement, si vous aimez, prenez-le. Enfin, si vous n'avez jamais mangé, prenez-le. C'est vraiment très 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 bon. C'est encore meilleur que les que ceux qui sont en rectangle. J'en ai mangé deux dimanches là. Et franchement, je me suis régalé. Et en plus, il ne s'écrase pas, ni quoi que ce soit. Quand tu les beurres, il ne s'écrase pas. Il reste bien, bien, en entier. Et franchement, super bon. En plus, dans le café, ça fond un peu. Dans le café, donc, je peux le manger facilement. C'est franchement très, très bien.
Très, 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 très bien. Donc, ensuite, donc apparemment, c'est pris un melon. Ouais, ils sont très, très bons. Un petit melon. Je pense que va vouloir ce soir. Va voir que je le coupe ce soir. Donc, je mets quelques petits trucs aussi qu'on a pris hier à Franprix de Nogent-sur-Marne. Qu'on a été. Non, je raconte des conneries. Pourquoi je dis Nogent-sur-Marne? Non, le Franprix de Joinville. Parce que hier, il y avait une brocante. Et les gens ne le savaient pas. C'est. Je sais plus comment elle l'a su, Cécile, je crois, par quelqu'un. Par quelqu'un qui habite à Joinville, qui a vu ça sur le. Ah oui, sur le groupe de Joinville. C'est pour ceux qui sont. Qui vivent à, qui sont nés. Oui, il y en a qui sont nés à Joinville, c'est sûr. Pour ceux qui vivent à Joinville, donc on a un bouquin comme vous, je pense que hein, tous les mois, vous avez un petit bouquin de la ville où ils disent tous les événements qu'il va y avoir, les travaux, les fêtes, les cinémas, enfin, tas de bordel, les morts, enfin, tas de bordel. Et tu sais, elle a su comme ça. C'était quelqu'un qui avait vu ça dans le journal. Et elle en a parlé dans le groupe de Joinville. Donc c'est comme ça qu'on a pu aller se balader demain, se balader hier, à la brocante. Et Cécile m'a dit pourquoi t'as pas filmé? J'ai dit bon, j'ai pas trop envie. Moi, j'ai pas envie de filmer. Il n'y avait pas grand-chose. On a rien acheté, rien du tout. Déjà, moi, j'avais pas de sous, donc faut que j'attende encore 2 semaines pour ma paye, là. Donc, ça me disait rien. Ah, si, je voulais vous offrir, parce que j'avais encore 10 euros sur moi. C'est tout ce qui me reste jusqu'à ma paye. Je voulais lui offrir une peluche et un genre de puma, là. De puma, et puis elle m'a dit non, il n'est pas beau, il n'est pas doux. Je dis en plus la meuf a dit ouais je l'ai jamais lavé, il est resté comme ça, mais il y avait déjà 2-3 taches déjà dessus quoi. C'est sûr que la meuf elle a jamais lavé quoi. Et puis elle voulait nous le vendre 5 euros en plus, hein, c'était en fin de brocante. Alors et puis moi c'est de ma faute, j'ai pas demandé. Moi je leur ai donné 3 euros puis c'est bon quoi. Et je crois, enfin, je sais pas, peut-être elle aura accepté, peut-être à 3 euros, je sais pas. Mais en tout cas, elle vendait à 5 euros. Mais t'es mignon, t'es sympa. Mais c'est vrai, il était pas aussi doux que. Enfin, tout dépend combien de temps qu'elle avait aussi cette peluche. Si ça fait des années qu'elle l'a, c'est sûr, au bout d'un moment, c'est plus aussi. La peluche n'est plus aussi doux. Et du coup, bah, ceci, elle n'en voulait pas. Du coup, j'ai laissé tomber. Voilà. Et en plus, moi, je le mets correctement avec les autres peluches. On descend la pente, on remonte par l'autre côté pour revoir l'autre côté. Parce que moi, quand je fais une brocante, j'aime bien regarder d'un côté, après l'autre côté, et ainsi de suite. Ou soit je fais en zigzag ou par ligne, ça tout dépend. Tout dépend comment il s'est fait la brocante. Puis on retombe sur son stand à la dame. Et ben le truc, le bordel était carrément par terre. Alors que moi je l'avais bien posé sur les autres justement pour pas qu'il soit par terre et tout. Et l'autre, elle a même pas fait gaffe que la panthère était carrément par terre. Les gens pouvaient marcher dessus, pouvaient rouler dessus. Et laisse tomber la neige. Bon. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs. C'était pourquoi j'avais parlé de ça. Je sais même plus. Je sais même plus pourquoi j'ai parlé de la brocante. Enfin, peu importe. C'est un coup de mémoire. Bon, on s'est fait des chamallows. Des marshmallows. Donc, je sais pas où elle a téléchargé ça. Je pense qu'elle a dû prendre. Je pense à Action. Et comme je sais, à Action, il y a. Ils en vendent et ils vendent des gros paquets. Donc là, c'est pris un gros paquet de machalolo.
Moi j'aime bien, mais voilà, sans plus quoi. Après ça écœure. Après ça m'écœure, j'aime pas. Elle s'est pris un petit machin de sneakers. Ah ça y est, je rentre à la maison, je tousse. C'est incroyable ça. L'huile de lait qu'on a acheté hier à Franprix, un litre, voilà le petit lait. Deux autres litres de lait, or qu'elle devait prendre un pack, mais du coup, je sais pas, elle l'a pas pris encore. Du coup, elle n'a pris que deux, lait demi-crémé. Donc voilà, je ne saurais pas où l'ont acheté, hein, j'en sais rien. Elle m'a pas dit. Elle m'a dit, les cours sont à la maison, toutes des merdes pour la vidéo. Bon voilà, je me démerde pour la vidéo. Et ça, c'est pour le deuxième. Voilà. Hier. Ah, c'est bébé qui est là, là ici. Hier, à Franprix, on s'est pris Candy Up. Cécile, elle en avait envie. Ça c'est pour tous nous deux, tous nous deux. Elle a pris des yaourts, je sais pas c'est quoi. C'est framboise rhubarbe. Oh, ça va pas être dégueu ça. Ça va pas être dégueu, il y en a un. Ah non, il n'y en a qu'un. Ah, c'est un gros pot. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Moi, je pense que la rhubarbe elle devait être en dessous, je crois. Yaourt, gras, framboise, rhubarbe. À moins que ça soit mélangé. Il doit y avoir la framboise et la rhubarbe en même temps. Bon, bah, on va tester. Hein. Il y en a deux. Il y en a deux dans les trucs. Donc voilà, c'est ce bordel. c'est pris un cervelas. Voilà, cervelas. 400 grammes. Bon, ça ressemble à un cervelas. Hein. Voilà. J'ai pris des petites tomates. J'ai déjà entamé. Elle a repris un autre petit paquet de tomates. 250 grammes. Celui-là il doit faire pareil. Ouais, pareil, c'est même. C'est dans les barquettes de carton là. Et là, c'est dans le plastique. Là, c'est pris de la marque Flutio, de la rosette pré-tranchée. Voilà. Elle en a repris. Elle a pris du saumon de Norvège fumé. Fumé au bois d'ailettes. En boîte d'alêtre salé ou sel pour les plats, j'en sais rien que ça va faire avec. Je sais qu'elle avait un petit moment qu'elle avait envie de saumon, donc voilà, petit saumon de Norvège, un petit paquet. Des saucisses fumées de la marque Saint Albi, 400 grammes, il y en a 4 dedans. Et c'est aux boîtes d'êtres, aux boîtes de lettres, et tu peux faire un accompagnement de lentilles, soit en vinaigrette ou lentilles chaudes, voilà. Tu peux faire ça. Hier à Franprix, à la prise de la piémontaise, du coup on l'a pas mangé hier soir, donc je pense que ce soir on va sûrement manger une piémontaise. Et elle s'est repris des concombres à la crème pour elle. Voilà. Je sais pas si on mange soir. Je sais pas. Comme j'ai pas fait le planning depuis 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et là aux courses qu'elle a fait, elle a repris des piémontaises. On va finir piémontaise. Hein, de la marque Saladinette. Jambon sans.
sans nitrite ajouté. Voilà, un gros paquet comme ça. Petit paquet de. Alors, j'ai pas toussé de la journée. Je rentre à la maison, je tousse. 500 grammes. Il y a un truc ici dans la cité qui me fait tousser. Donc voilà le deuxième. Alors que j'ai pas le nid qui coule. Voilà, j'ai rien quoi. J'ai pas de fièvre, j'ai rien. De la marque Mankidi, ça c'est. Je pense que c'est Action ça. 4 hot dog roll. Ouais, je me sens que c'est Action ça. Je crois qu'Action ils en vendent. Des trucs comme ça, au beurre et. Là, pour faire des bidouches chouettes, ça ne marche rien. Voilà. Pour faire des hot dogs. J'ai trouvé là, donc à mon avis, c'est ça. Alors, à ces prix, un truc comme ça, je sais pas c'est quoi. Ça s'appelle cassé buteur. C'est un truc américain, 340 grammes. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, vous, si vous savez qu'est-ce que c'est tout liquide à l'intérieur. Franchement, déjà, ça a déjà été ouvert. C'est tout mou. Enfin, c'est liquide, je sais pas c'est quoi. Ah, puis ça pue! Ça schlingue! En plus, c'est écrit petit, en plus, c'est écrit en américain, laisse tomber la neige. Ah, j'ai envie de dégueuler! Ah, sérieux, c'est pas bon! Je sais pas que pourquoi elle a été prendre ça. À moins que ce soit peut-être l'oreille qui l'a acheté, j'en sais rien, mais en tout cas, ça schlingue. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai du mal à voir les trucs là. Je sais pas c'est quoi les machins là. Les fruits, je sais pas quoi là. J'ai du mal à voir. En tout cas, ça pue. Hein. Berk. Hors de ma vue, sale bête. Ah. Pourquoi elle a-t-elle acheté ça? Elle s'est priée de l'eau pétillante, je suppose aussi à Action. Comme ça. Déjà, elle a bien bu. C'est pris les saucisses hot dog, saucisses machin là, toujours de la marque McKennedy. Je crois c'est aussi ça, je crois c'est Action ça aussi, je sais plus trop. Je sais que cette marque là, il est beaucoup à Action. Donc ça, les saucisses. Ah, j'ai encore le goût du, l'odeur du bordel là. Ah, j'ai envie de dégueuler là. Berre. Elle a pris deux bouteilles d'Orangina, dont une qu'elle a, elle a déjà bien dégommé. Voilà, la deuxième. Hop, elle est là. Voilà. Elle s'est repris une bouteille de Badois. Ça faisait un bon petit moment qu'elle n'avait pas pris de Badois. Là, Badois vert. Ah, j'ai oublié les parts aussi. Elle s'est pris une bouteille d'épargne hier aussi. Voilà, bouteille d'épargne. Et un gros coca pour moi, Freeway Cola. Un gros de 2 litres. Comme ça, moi je suis tranquille comme ça. Ça me fait un bon. En plus, l'autre, je ne l'ai même pas encore terminé encore. Et encore pour un jour ou deux encore. Il m'a fait plus d'une semaine de coca. Celui-là, ça va faire plus pareil, plus d'une semaine, je pense. Hop. Ensuite, je pense que ça va être Action. La prix de micelliard, je sais pas ce que c'est, parce que moi, avec vos trucs de femme, là, moi, j'y connais rien du tout. Donc si vous connaissez, voilà, c'est pris un truc comme ça, la marque Alvira, voilà, Micelia, enfin un truc comme ça, je sais pas. Peut-être pour se démaquiller, je sais pas.
En tout cas, ça sent bon. Ben, je préfère sentir ça. Hein. C'est une eau, je sais pas. Peut-être pour se démaquiller. Voilà, je vais y arriver. Ah, j'ai pris Narta, comme dans la pub, maxi format Narta. Ils en font pour les hommes aussi. Et j'ai pris un pousse-mousse de la marque Sienne aux amandes. Voilà, un petit truc comme ça pour les mimines. Voilà, comme ça qu'on finit d'aller au shot, voilà, qu'on puisse au moins se laver les mains avec un produit qui sent bon les mimines. Par contre, le design du truc, il est pas mal, j'aime bien. Ça fait un joli joli truc. En plus, je pense que tu peux le garder pour le remplir après. C'est pas mal. Ça. Et j'ai vu qu'il y avait ça aussi, donc je sais pas, je pense que oui, c'est pour Cécile. J'ai vu un truc de diamond painting, donc je sais pas si c'est pour Cécile. J'ai vu ça là-bas dans les trucs. Je pense que c'est pour elle. Donc, je pense que c'est pareil, je pense que ça va être Laura qui a dû lui offrir. Avec des petits oiseaux comme ça, là. Des machins là, des trucs là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Donc il y a 30 000 bidules chouettes dedans. 40 x 60 cm. Voilà. Ça c'est pareil. On en a déjà 2-3. On les a même pas encore commencé. Je sais pas quand est-ce qu'on va les faire. Peut-être qu'on sera en retraite tous les deux. On n'aura rien à faire. Voilà. Allez, prix. Par contre, les assiettes sont bizarres. Il y a un truc dedans, je sais pas. C'est pris deux assiettes. Enfin, c'est pris où on lui a offert, j'en sais rien. Avec un flamant rose. Voilà. En plus, elle est très très jolie. Voilà. Et le deuxième, il y a un perroquet, il y a un pélican. Non, pas un pélican. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. L'oiseau avec le grand bec là. Si, je crois que c'est un pélican. Et avec le flamant rose de cette couleur là. C'est très 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 joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Ah ouais, je pense hein, qu'on peut manger dans ces assiettes-là. Hein. Ah bah oui, parce que moi j'en ai ramené une au travail, mais c'est pas la même matière. Ils sont pas faits pareil ceux-là. Et je crois pas qu'ils vont au four micro-ondes. Hein. Non, ça va pas au four micro-ondes. Ça va laver à la main, laver la vaisselle. Ni au four micro-ondes. Bien. Donc ton plat il a intérêt d'être bien 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 chaud parce que imagine ton plat dans l'assiette qui refroidit et tu peux pas le mettre obligé de ressalir notre assiette. C'est un peu dommage. Donc je sais plus où est-ce qu'il y a les amis, les autres. Ils sont là. Je vais les mettre là. Oh, j'ai même pas fait mon café, dis donc. J'ai même pas fait mon café. Bon, je vais mettre tout ça dans le frigo. Dans le frigo gauche. Voilà, c'est les tortellini, ceci. Hier, on a fait... McDo maison. Avant que le pain il soit plus bon. Donc on s'est fait un petit truc. Ah oui, il y a les pommes. Les patatous aussi qu'on a acheté hier. Comment les a mangé hier. Et moi j'en ai gardé pour moi pour mon travail demain. Comme ça demain j'ai un plat. J'ai un plat tout prêt.
En dessous, c'est tous les trucs à Sandrine qu'elle a acheté. Ouais, vous avez le bon goût de Sandrine. Et de Titine. Les titines, les bonjours de Titi, les titines. Vous savez, celles qui tombent toujours dans les trous. Hop, tout ça au frigo, ça au frigo. Ça, je ne crois pas, c'est au frigo. Des fois, c'est ouvert. Nanani, nananère. Par contre, je sais pas, je pense qu'on va peut-être manger ça ce soir, je crois. Elle va être trop chaude sinon. Voilà. Ça, poubelle. Ça, je vais remettre ça là. Hop. On va mettre tout ça là. Sa bouteille là, son truc, je sais pas c'est quoi. J'ai même pas envie de ressentir. Je sais pas où mettre son truc, hein. Je vais le mettre là, là. Et ça, c'est dégueulasse. Je sais pas c'est quoi cette merde là. Mais c'est dégueu. Hein. Hein, mon bébé d'amour, ton papa. Hein, mon bébé, c'est dégueu. Hein, c'est caca doigt. Caca doigt, pipi doigt, à mon bébé. C'est pareil, il n'y a jamais de place. C'est dingue ça. Ici, plus tu rentres, plus c'est le bordel aussi. Là. C'est incroyable ça. Il y a trop de choses, bordel. Oh, moi je mets ça comme ça. Ça, je ne sais pas où mettre. Hop, on va mettre ça là. C'est même une salle de bain qu'on a, c'est une pharmacie. Il y a plein de trucs. Oh putain. Ah mon bébé. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur. Oh papa, il est fatigué mon bébé. Papa, il est fatigué mon cœur. Dans le melon ce soir. Hop. Ah, je vais encore faire la vaisselle, ça me casse les couilles ça. Ah, j'ai oublié de lui dire de racheter du café, merde. J'en ai presque plus là. Oh là là, j'ai de la galère dans le café là. Putain. C'est chiant. Avoir assez aujourd'hui, mais demain. Mystère et boule de gomme. Galère pour casser mes médicaments là. Oh là là, laisse tomber. J'ai dit de prendre un demi, mais tu peux pas les casser, c'est impossible. Ça va être galère.
Allez, Paco, bouge un peu là. J'en prenne un. Donc c'est celui que je prends d'habitude là, des homéodipines 5 milligrammes. Pas 5 mm. C'est des jaunes. Là, c'est des petits trucs jaunes comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, voilà, des petits trucs jaunes, voilà. Je vais voir si une tablette qui est déjà entamée. Ouais, celle-là est entamée. Non, c'est pour le mois. C'est pour tout le mois. Voilà, ce soir. Et l'autre, ce que j'ai en plus, c'est hydro. Oh là là, les noms de médicaments, laisse tomber. Hydrochlorochiazide. Un truc de 25 milligrammes. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si je suis dans le bon truc. On sait rien. Et c'est ça, faut que je casse en deux. Ben, c'est une galère. Je vous promets, c'est une galère pour casser. Là, il y a encore un petit. Non, c'est même pas un morceau. Ah si, c'est un morceau. Non, mais il est tout petit. Il est tombé, moi, je jette. Comment voulez-vous casser un truc comme ça, vous? C'est impossible. Il est trop petit, le bordel. Il est trop petit. Et en plus, je sais plus si c'est le soir ou le matin. Non, je crois ça, c'est le matin. Le soir, le matin et soir, il y a le jaune. Ça, je sais, matin et soir. Et celui-là, je crois que c'est que le matin. Mais le problème, c'est que le moi, il me fout à morse. Il me fout à morph le truc. Donc il y a le trait là. Je vais essayer. Comment veux-tu couper un bordel comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Ah mon bébé, c'est vrai. Je touche pas aux médicaments. Hein. Ah, il est où mon couteau là? Chercher la tronçonneuse. Oh mon bébé. Ah mon petit bébé. Ah si, ça y est. Ah si, j'ai bien coupé là. Je l'ai coupé en petit, je sais pas si vous. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'ai réussi à couper. En tout petit. Tout petit, petit, petit. Par contre, ah, j'ai pas de. Enfin, je mets dans un truc là, je sais pas quoi. Ah, je vais pas sentir chewing-gum après, laisse tomber. Ah, donc quoi je pourrais mettre, bordel? Ah, en plus, j'ai pas de truc de médicament là. Je vais mettre ça là-dedans pour l'instant. Puis je vais m'amuser à tous les faire.
Je vais m'amuser, hein. Faut que je trouve bien, bien le trait. Voilà. Essayer de pas faire tomber les trucs. Oh, parce que si je prends un entier, ça va faire deux trous. Pour ça, ils m'ont dit d'en prendre qu'un demi. Voilà. Hop. Donc, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ah, au bout d'un moment, j'ai mal, je vois rien. Hop. Je vais déjà faire une tablette déjà. Je ferai une tablette et le reste je ferai la prochaine fois. Ah, j'ai mal coupé celui-là. Faut vraiment que je coupe bien, bien dans le, au niveau du trait, sinon. Ah, ça y est, j'avais bien coupé au départ, ça y est. Je suis en train de couper n'importe comment là. Après, ça va plus être la même dose. Voilà. Si je coupe un qui est plus gros, l'autre qui est petit, ça va pas le faire quoi. Voilà. Voilà, j'en ai pour un bon bonne petite semaine là déjà, si c'est pas plus. Voilà. Celui-là, je vais les ranger. Je les ferai, je recommencerai la prochaine fois. Je vais pas tout faire. Je vais pas tout faire. Hop, hop. Ah, faut que je trouve une petite boîte. En plus, il y avait la brocante hier, bordel. J'aurais pu trouver une petite boîte pour les. Pour les. Une petite boîte pour les. Pour les mettre dedans. Avant, on avait plein de petites boîtes rondes de toutes d'exomine. Je sais qu'est-ce que c'est si elle apprend. Mais. Je sais pas, on a dû les foutre à la poubelle. On a dû les jeter. Comme un con, alors que ça peut servir. Ça peut servir. Voilà. J'ai bien trouvé un petit truc. Même pas un sachet. Faut que je recouvre avec un truc. Je recouvre un truc. Bon, là, le couteau est là. Hop. Ah, déjà, je vais prendre le jaune déjà. Et je sais pas ce qu'on va manger, je sais pas qu'on va pas manger trop tard aussi. Parce que moi hier on s'est quand même couché très tard. C'est couché était presque 2h du matin. C'est qu'on est rentré tard aussi. Enfin compte, on n'a pas vu l'heure. Enfin, on n'a pas vu l'heure. Puis comme on était bien dehors, il faisait pas froid et tout. C'était agréable. On était avec nos petits voisins, gentils. Je vais mettre un lait au frais. Je vais mettre celui-là. Ça c'est à moi qu'il y en a déjà un au frais, je crois. Même pas. Même pas. Même pas.
pas faire sauce tomate. Non, il n'y en avait pas. Tant pis. Hop, ça celui-là. Il va être au frais. Par contre, même la bombe piche-piche, ça, on s'en est même pas servi samedi au parc. On était pas loin, on était pas loin des trucs de. Des toilettes, des lavabos, tout. Donc à chaque fois, je me passe un petit coup de gant sur la figure, les bras, le cou. Enfin, la nuque, tout ça, les cheveux, je vais mouiller souvent les cheveux. Tu sortais dehors, t'es déjà tout sec. Hop. Voilà, mon cachet est pris. Dès que j'ai mis sous, hop. Coupe barbab, barbe. La coupe barbarbe, babar, la coupe babar. Sinon, bah, rien de spécial. Hein. Voilà. Encore aujourd'hui, on a bossé jusqu'à 4 heures. Non, jusqu'à 18 heures. On devait finir à 16 heures. Et en fin de compte, il y a eu encore des pales qui sont remontées, comme d'habitude. Et on a fini, t'es 18 heures. Donc le temps d'arriver, bah t'es voilà, 8h15. 8h15, voilà. 8h15, je sais pas ce qu'on mange. Et moi je vais pas traîner. Hein, parce que hier je suis. Aujourd'hui j'étais trop fatigué. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche. Voilà, merde dans la tronche, la petite cloche. Et de vous abonner. C'est gratuit. Il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui vous... On vous le dit aussi, c'est gratuit, 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 gratuit. Vous n'avez strictement rien à payer. Et bah, si vous voulez aller voir, faire un petit tour sur la chaîne de Queen Cécile. Queen comme le chanteur et Cécile, hein, normal. Hein. Et puis bah voilà quoi. Donc je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis Kenavo. Je vous dis Abidenzen. Et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo de Coucours. Salut.